Et bonjour à tous et à toutes, c'est Orochti d'Historia Games et je fais une intro un peu bizarre, mais c'est pas grave. Nous nous retrouvons pour le 12e épisode de ce let's play sur, j'allais dire sur March of the Eagle, mais pas du tout, hein. On est sur The Guild 2. Et nous allons continuer notre petite aventure, hein. Donc si ce qui s'est passé sur l'épisode précédent, vous avez qu'à le regarder, hein, tout simplement. Et si ce qui va se passer sur cet épisode là, vous avez aussi qu'à le regarder. Voilà. En fait, je camoufle le fait que je ne sais pas quoi dire. Non, alors on va continuer à développer le truc. On sait qu'on a assez d'argent pour acheter le titre d'au-dessus, donc on va pas hésiter, on va l'acheter. Achat d'un titre. Variation Delecta. Voilà, on s'approche dignement. Il pleut dehors? Non, il pleut pas. Ces journées d'automne sont désagréables, vous ne trouvez pas? Je sais pas. Attendez un peu, où ai-je pu mettre le sceau de la mairie? Bravo. Misère de misère. Ah! J'attends le bourreau derrière, il a une belle tête. Je suis sûr que vous venez pour acheter un nouveau titre. Naturellement. Mille merci pour cette bourse remplie de pièces. Vous serez rapidement informé de la décision prise. D'accord, je reprends ma charrette et revenu également. Voilà, donc... bah, mademoiselle, tu vas rester là quand même, hein, c'est pas très grave. Ah oui, j'avais envoyé en patrouille mon... monsieur. Monsieur qui... Voilà, il fait sa patrouille. Donc ça va être cool parce que ça va permettre de donc de, bah, de pouvoir sécuriser un peu mieux. Je pense que c'est plus utile et vous serez content de mon choix fait là-dessus. Allez, on va rentrer dans notre boutique d'alchimiste, on va continuer à développer. Donc ici, ah enfin on commence à avoir des queues de lézard. Alors rappelez-vous, on a eu beaucoup de mal à en avoir à une époque. Mais ça a l'air d'être bon, on va pouvoir commencer à produire du parfum. Je vois que j'ai quand même... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. N'importe quoi. J'ai des tisanes à vendre, donc tac, on va l'envoyer pour envoyer à Charlotte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour sans doute prévenir que mon titre a été fait. Donc, on va non, on va regarder, mais non, on envoie ma charrette. Je l'aurais décidé. Et punaise. Félicitations. Le conseil dans sa grande sagesse a voilà, décidé Sophie, de vous octroyer un nouveau titre. Vous appelez patricienne. L'empereur? Comment ça, l'empereur? Bon, très bien. J'ai de nouveaux privilèges. Offenser quelqu'un, vous êtes autorisé à vivre dans une nouvelle résidence. Ouais. Mais du coup, en fait... Non, c'est bon, il y a tout... Ouais, d'accord, il y a tout le monde qui est patricien. Ça, c'est... Parfait, parfait, parfait. Donc ça, c'est très, très bien. On va aller dans la boutique de magicien, évidemment. Alors, comment ça se passe niveau sur produit sur réserve? Ça va. Tac, tac, tac. On va renvoyer le colis chargé. Sans parler, évidemment. J'allais envoyer à ma maison, mais non, c'est pas ça que je veux. Vu que je ne fasse pas voler. Moi, ouais, j'espère aussi. Ils n'ont pas toujours la même chose. Hein. Ça, c'est plutôt bon au niveau des réserves. Il me faut quoi? Il sera moins les deux de crapaud. Ouais, c'est bon, j'en ai encore pas mal. Et la tisane, il y en a qu'un seul qui le fait. Il fait ça tout doucement, mais au moins il vide un peu les réserves. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Au pire, s'il me manque d'argent, je ferai un peu plus de tisane. Hein. Pas souci à ce niveau là. Donc je peux avoir une maison plus intéressante et je peux offenser quelqu'un. D'accord. Je vais juste regarder. Est-ce que ça débloque? Non, c'est pas débloqué. Ouais, maintenant je peux sans doute. Ouais, je peux faire ça maintenant. Ah, il me faut, non, faut que je sois niveau 5. Chose qui n'est pas. C'est pas sûr que je suis. Attendez. Là je suis dans la boutique de magicien. Donc on va prendre monsieur qui là. Donc monsieur. Comment on fait déjà par rapport à ton level? Je ne sais plus. Ici, voilà. Alors, on peut atteindre l'XP, donc on va le faire. Donc, encore une fois, je sais vraiment. J'ai pas l'impression que ça joue quelque chose au final. Arts martiaux. J'appuie hein, comme ça. Je suis niveau 6. Ah, bah, je peux le faire. J'ai pas assez d'argent. Et non, j'ai pas besoin d'apprendre mes compétences. L'inventaire est plein. Attendez, l'inventaire est plein. Variatio delectat. Pour pourquoi il est plein? Pourquoi là? Ah, sans doute pour les tisanes. Je vais augmenter ça rapidement. C'est pas un problème. Tac. Bon, allez, on va remonter à fond comme ça. On est des fous dans la tête. Voilà, comme ça, toi, tu vas pouvoir produire. Tu vas pouvoir vider nos réserves de tisane.
enfin les restes de murs en fait. C'était ça que je voulais faire à la base, hein. Je sais plus ce que je voulais faire. Alors c'est quoi ça? Ah, ressources climatiques. Ouf. Ça va vite. Pacte de non-agression, j'ai accepté. Bon, après tout, c'est quand même assez utile. Alors j'ai quand même pas mal d'argent, ça c'est cool. On doit améliorer le bâtiment si on peut, c'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? D'almanac, ok, c'est pas grave. Alors, quantité de stockage, bon, on va le faire. On va améliorer, écoutez, on va améliorer. Alors, l'observatoire, vous pouvez... Désolé, hein, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors, ok, j'aurais plus le message maintenant. Et à chaque fois, je me trompe, donc, bon, écoutez, on va le faire, hein. Ça, il n'y aura pas de problème. Et j'ai un observatoire. Donc, apparemment, j'ai. Dans la pièce de tour, j'ai normalement un truc pour observer. Voilà. Et j'ai une nouvelle action qui est disponible. Dour Alex, c'est on va jeter un œil. Alors, si vous. Voilà, si. Avoir une vision. Prima via est. On va regarder, on va voir ce que ça fait. Ouais. Impossible d'avoir vision, pas de matériel de construction dans l'inventaire. Construction dans l'inventaire? What? J'ai pas compris, c'est pas très grave. Du coup, toi, tu vas retourner faire des tisanes. M'embêtera. Voilà, on va retourner à la boutique de magicien. On va améliorer. Ça, j'ai déjà amélioré à fond. Ok. Alors, l'hôtel de sacrifice, apparemment, c'est pour augmenter ma productivité. Vous avez bien raison. Bon, on va le faire. Écoutez, ce sera pas fossile d'or. Ah, c'est pour augmenter. Ok, bon, on va le faire. Et excrément de crapaud, c'est pour fabriquer aussi. Mais il me faut du fer, encore une fois. Bon, je vais pas le faire parce que bon là pour l'instant ça vaut pas le coup, j'ai l'impression. Mais c'est bon, c'est pas grave. On est venu Patricia, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt la bonne nouvelle. Je vais attendre le lendemain pour essayer de postuler sur le truc de guilde. Je sais pas si ça vaut ou pas, on verra bien. Je vais d'abord retourner à ma maison. Parce que maintenant je peux améliorer également ma maison. Faut pas oublier que là je peux toujours l'améliorer. Même si bon, j'ai pas encore débloqué pour les bombes. Qui permet de saboter, mais j'ai pas envie de jouer méchant, enfin pas tout de suite du moins, on fera ça tout à la fin quand on sera vraiment posé, mais pour le moment non. Je peux construire une maison à pigeons. Ouais, ça coûte quand même 3000, bon je suis pas sûr de le faire. Alors avec ma fille, est-ce que je fais une église ou pas? Je vais réessayer, je pense. Bon. Pour l'instant, je vais la laisser libre. En fait, on va... Enfin, libre. On va la... je sous-entends que je vais la laisser, disons, dans le palais du conseil pour justement vérifier pour le truc de maître de guilde. Puis après, on construira une église pour essayer de faire. Comme ça, j'aurai un de chaque. Et puis, bon, ça devrait bien se passer normalement. Voilà, voilà. Voilà, ce qui est cool, par contre, c'est vraiment mon petit patrouilleur, là, on peut le voir ici. Ça aide pas mal, hein, ça aide vraiment pas mal. Je sais pas si je peux recruter encore une fois un mec, non. Peut-être qu'en augmentant ma maison, je pourrais peut-être acheter un deuxième garde, ça sera pas inintéressant, je pense, pour le faire. Alors, c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que tu en réserves? Ah bah tiens, je peux... Bon, vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses en réserve. On va pouvoir en réserve. Voilà, là, je vais me faire un bon gagne-pain. Il faut que je travaille. Tout à fait, t'as tout compris. Pourvu que je ne fasse pas voler... Vous savez ce que je vais faire? Je vais renvoyer mes... les messieurs, là... Enfin, mes charrettes. Tac, voilà. Alors je sais que le parfum, ce qui est pratique, c'est que je pourrais l'utiliser. Sur moi, ça permet d'avoir un peu plus de charisme, des trucs comme ça. Donc ça a pensé si un jour on fait un truc. Mais c'est bien de pouvoir en produire. Alors ce que je disais, ce que je voulais faire, c'est que tout simplement, oui. On va je vais faire un paiement de prime. Qui ça veut ? Pourquoi ça vaut pas? J'en sais rien. On va regarder dans la boutique de magicien. Normalement, attendez. Peut-être qu'il faut qu'il arrête son action, je vais essayer.
Ah, j'ai peut-être pas assez d'argent en fait. C'est peut-être pour ça. Toi, tu faisais quoi du coup? Tu faisais des flancs Discord, non? Oui, Bono. Donc, on vide tout doucement les murs. Et ouais, il faudra quand même faire attention aux oeufs du crapaud. Je pense qu'on va avoir un petit peu moins, mais bon. C'est pas un problème. Bon. Oui. Du coup, j'ai dit on fera ça le lendemain et finalement, on va le faire maintenant. Il y a un problème? Non, du tout. Je vais pas accuser quelqu'un, ça sert pas grand chose. Alors, est-ce que je peux postuler? Là, il faut que je suis bourgeois. Alors, attendez. On va regarder du coup pour l'achat d'un titre du cotu, hein. Misère, comme c'est désagréable. Tout le monde vient se mettre à l'abri et salit notre belle salle du conseil. Ah, mais lui, il en veut la pluie, hein. Ça fait trois fois. Monsieur Pluie, hein, on va l'appeler lui. Vous n'êtes pas sans savoir que mon poste de fonctionnaire me prend déjà beaucoup de temps. Vas-y, je t'emmerde. Vous aider. Non, mais oh, tu parles pas ma fille comme ça. À nous maintenant. Je deviens noble. Je ne deviendrai jamais Dieu ici, mais je peux essayer de vous trouver un certificat à pauvre de vous. J'imagine qu'il ne me reste plus qu'à le vendre à votre concurrent. Oh le salaud. Comment il dit ça? Alors ça coûte 10 000, d'accord. Ego sum, qui sum. Mais il y a un truc que je comprends, c'est le titre de bourgeois. Alors j'aurais des privilèges, c'est d'accord, mais. Maître de guilde de postulant, postulé, revenu. Moi je peux pas. Oh, je vais faire maître de ville. Pourquoi je peux pas en fait devenir maître de guilde? Condition requise, titre de bourgeois, c'est une noble. Ça me paraît bizarre quand même. Tu es nulle part. Alors là, j'ai pas compris. Niveau de charge trop élevé. Donc. Votre charrette est revenue. Bon. Je sais pas. Oh, j'ai une belle somme là, ça fait plaisir. Mais du coup, on va pouvoir améliorer la maison. Qu'est-ce que vous en dites? On va améliorer la maison. Ou alors, peut-être que j'augmente un bâtiment. Non, on va améliorer la maison. Parce que sinon, si je la fais. Ça sert pas forcément à grand chose, mais ça. Être intéressant malgré tout. Ah bah, je pourrais pas le faire parce que j'ai dû payer les salaires. Errare humanum est. On va réessayer, tiens, on va regarder. Est-ce que je. Non, je peux pas. C'est vraiment bizarre, hein. C'est bizarre. Embrasser quelqu'un, je peux l'embrasser lui. Oui, bon, non. Attendez, on va juste regarder pour voir ce que ça fait. Ah, il y a une dernière fois, fichez-moi la paix. Il n'y a pas dit non. Hein. Neutral, bon bah si tu veux. Hein. Alors c'est Patricien Hugues, je sais pas du tout qui c'est en fait. Mais... In vino veritas. Il a pas très bien pris le fait. Je peux l'offenser, ça c'est marrant. Pas très grave. Qui a-t-il? On va au marché, on va faire un petit tour au marché. Alors, on va revenir à la boutique habituelle, d'attaque. Alors, j'ai pas grand chose, mais on va envoyer quand même. Il y a qu'une personne actuellement sur le parfum. Stramone, ça va être suffisant. Alors, attendez, qui cherche Stramone? Attendez, oui. On va faire ça. Donc, on va bien les voir. Ok, il y en avait un qui dormait et l'autre qui est parti se coucher, d'accord. Oups, alors toi, que de lézard, c'est bon. On va mettre une personne de plus sur le parfum. Une peau de lavande. Et je crois que la lavande, ça sera un petit peu juste. Donc, on va chercher un peu de lavande. Voilà. Et ouais, donc là, je vais en laisser quand même en réserve toujours. Ça me fait toujours plaisir. On va envoyer ma charrette, même s'il n'y a pas grand chose. Souhaitez-vous aller ? Encore une fois, mais bon. On va essayer de faire le pognon et la boutique de magicien. Je vais regarder, mais il faut que je regarde aussi mes concurrents. Je pense pas à regarder. Bon, ouais, j'ai qu'un truc, mais c'est pas grave. Ma charrette va faire une tournée nocturne. Où ça? Ouais, va marcher. Ouais, on va regarder mes concurrents. Alors, attends, boutique d'alchimiste, boutique de magicien. Donc, attendez, ça c'est à moi. Celle-là, c'est à. Alors, ça c'est à moi. Et alors, chaumière de travailleur, la maison du malheur. Alors, ça c'est un truc où je suis jamais allé. Et j'ai une boutique de magicien juste à côté de chez moi. Ah, bah, c'est lui qui m'agresse en fait tout le temps en fait. Ah ouais, bah je comprends mieux, ouais.
Ah ouais, d'accord. Bon. Allez. Vous n'avez pas le droit de voir ce bâtiment, d'accord. Pour les artisans, je suppose. C'est pas très grave. Alors, mademoiselle, partez au marché, on va regarder donc ce qu'ils... Oui, bon, non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on va regarder ce qu'ils vendent. Lettre d'indulgence, lettre de Rome. Alors, en fait, je vous explique. Pour regarder, en fait, temple la lettre, merci. Pour regarder par exemple la lettre, voilà, faut que je clique une fois, voilà. Donc, en fait, pour fermer ou pour ouvrir un truc, faut faire un clic droit avec la souris. Le problème, c'est que si je clique un peu trop longtemps, en fait, ça le ferme et c'est assez chiant. Avec ce parchemin, vous pouvez diffamer un rival de la pire manière aux yeux de tous ses corrélés. Ouais, bah, j'avoue, c'est une lettre de Rome, ça fait chier. Ah, c'est une arme très très puissante, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. C'est-à-dire que quelqu'un en produit, ça, c'est moins intéressant, mais c'est pas grave. Senteur d'Artagan, document de thèse, les lunettes d'Argus. Tisane, torche. Matériel de construction. Ah, mais ça, il m'en fallait pour. À propos des talents, ça, c'est un livre. Lubrifiant. Ça, il m'en fallait un pour pouvoir construire. Mais je veux lire. Mais c'est pas possible. Voilà. T'as un ensemble de chevrons, de chevilles, huit d'eau pour construire les bâtiments. Pour 10 kilos. Ok, ça c'est pas pour moi. Donc c'est pas moi qui fais. Je vais en acheter un. Pour essayer ce que ça fait. Voilà. Personnage. Ça fait plaisir, j'en ai un. Ok, très bien. Ici, c'est encore pire, précieux, ça c'est pas pour moi. La bouffe, c'est pour restaurer sans doute des points de vie, des trucs comme ça, ça m'intéresse pas. Textile, il y a toujours pas de habit de citadin, ça m'embête un tout petit peu, j'aurais bien aimé avoir un petit habit, c'est pas très important. Et ferronnerie, je pourrais peut-être prendre une épée courte pour mademoiselle. Je peux peut-être équiper, ah je sais pas si je peux équiper mon... charrette est revenu. Alors c'est quoi ça, maître de guilde, ok, on s'en fout, c'est quoi ça, la guilde de lettré, ok, limite j'ai envie d'acheter en fait une genre une cote de maille et, ou une cote d'arme limite et donner en fait à mon patrouilleur, ça pourrait être pas inintéressant je pense, mais bon c'est pas, je suis pas sûr que ça marche et donc dans le doute je vais pas le faire. Va à la boutique d'alchimiste ma petite, on va essayer l'appareil. Alors, on va revenir dans notre boutique de magicien dont la production a dû reprendre. Moyen. Alors, j'ai toujours pas assez pour faire la nouvelle maison. Et ici, il me semble que c'est 5000 et des brouettes pour pouvoir faire pour l'améliorer. On va jeter un œil. Au niveau du bâtiment, ouais, c'est 5000 et des brouettes. Bon, je pourrais pas le faire tout de suite. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, bon, on avance tout doucement. Hein, on avance tout doucement. J'espère que cette série vous plaît. Si vous. De toute façon, c'est vous le public, c'est vous qui nous dites si ça vous plaît ou pas. Moi, je m'amuse, ça me plaît, j'aime bien. Je fais ça pour vous, mais après, si ça vous intéresse pas, si vous voulez que je passe à autre chose, dites-le en commentaire. Après, si vous voulez que je continue tout ça, ben voilà. Si vous avez aussi un objectif ou un défi à me donner, n'hésitez pas. Je vais essayer. Après tout, on est là pour s'amuser, pour interagir avec vous. Moi, je fais ça pour moi, dans un sens, que j'aime bien faire des vidéos également. Mais je fais ça aussi pour vous, hein. Si ça vous plaît pas, je vais pas non plus faire... faire quelque chose que vous aimez pas. Donc voilà. Donc dans tous les cas, si vous aimez, mettez un pouce vert, c'est toujours très plaisir. Partagez la vidéo, commentez et faire un petit tour sur Historia Games. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, salut à tous.